Je ne sais pas si vous reconnaissez ce coin, on est au-dessus des buttes Chaumont à Paris. Et croyez-moi, pour grimper ici, à cette adresse, faut vraiment pédaler sec. Ce restaurant s'appelle donc Divin, et vous l'avez compris, c'est consacré au vin. Bonne petite adresse, comme il doit en exister une tripotée à Paris, mais celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a bien plu. Sans doute parce qu'il y avait une jolie lumière d'été, de printemps. Parce que nous étions à l'heure du déjeuner, il n'y avait pas grand monde dans le restaurant. Deux, trois tables, contentes, ravies d'être là. Un patron aussi à son affaire. Et ce que j'ai bien aimé dans ce restaurant, c'est sans doute le fait qu'il y ait une formule qui est bien, bien gaulée. C'est-à-dire qu'on peut avoir pour 18 euros l'entrée, le plat. Et dans les entrées, ce jour-là, il y avait un chinchard mariné avec pied de cochon croustillant, du cresson. Et du kiwi. Il y avait également une poitrine d'agneau, croustillant également, chou-fleur, curcuma et timut. Et dans cette même formule, au déjeuner, ce que j'avais bien aimé aussi, c'était le merlu de ligne qui était proposé avec de la courge, du tamarin et une émulsion à la citronnelle. Alors que mes amis étaient à la poitrine de cochon et son jarret croustillant, céleri, coco, raifort, betterave et vin rouge. On le voit, c'est un restaurant qui fonctionne bien parce qu'il est dans une sorte de propos très concis. Il est tout au cœur de son discours. On ne va pas chercher trop loin, mais avec suffisamment d'invention, de regard sur les produits de tout poil. Le dessert aussi était très plaisant, comme ça, avec du croquant, de la noisette, abricot. Et c'est exactement le genre d'endroit que j'aime bien parce qu'on s'y sent bien. Il y a une... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une belle énergie dedans. Il y a une sorte de complicité avec les plats, les produits, le patron, la clientèle. Ça coulisse bien. Ça s'appelle Divin. À 3, on s'en est sorti à 86 euros. Donc, ce qui est plus que sympathique. Faut-il y aller ? La réponse est oui.